près de Remiremont dans les Vosges, rencontre avec des paramotoristes dont l'un est en train de vérifier ses suspentes et gonfler sa voile. C'est le terme approprié, opération indispensable avant de prendre l'air. Ils sont 5 à se préparer pour faire une balade dans la région des Mille Étangs, en Haute-Saône, à une 15aine de kilomètres à vol d'oiseau. Alors vous pouvez contrôler un peu votre altitude, votre vitesse? Ah oui, bah moi j'ai notre chariot et puis un GPS. Ah oui, on peut contrôler, mais il y en a qui n'ont pas ça, quoi, ça. On le sait à peu près. Hein. Là, vous voguez à vue? Oui. Du 98, mais mélangé. Parce que c'est les moteurs deux temps. Ah oui, d'accord. Donc on est cousin du scooter, on va dire. Et à quelle altitude à peu près? En règle générale, en paramoto, on grimpe rarement très très haut. Même si on peut s'amuser à grimper très haut. J'ai un copain, par exemple, qui a battu le record du monde, là, un jeune de notre club. C'était au mois de juin. Il est monté à 5700 mètres. Ah ouais. Mais nous, en règle générale, on évolue, on va dire, à 300 mètres sol maximum. Parce que c'est vachement plus sympa de voir les détails au sol plutôt que d'être perché très haut. Oui, bien sûr. Après, en montagne, on va des fois grimper un petit peu pour se mettre en sécurité. Ouais. La forêt, le gros risque, c'est de rester bloqué puis d'y passer la nuit. Quoi. Ça vous est déjà arrivé? Non. Non, on essaye de ne pas faire non plus n'importe quoi. Sur le moteur, on a juste l'accélérateur. C'est la poignée que je vois, là? Ouais. Et sur la voile, il y a deux commandes. L'une pour tourner à droite, l'autre pour tourner à gauche. Les moteurs peuvent aller jusqu'à 200 cm3. On fait le tour pour les précautions d'usage. Remarquez l'accélérateur dans la main droite. Il est un peu face à toi, non? Et on s'élance. Le décollage à deux est un peu plus délicat dans la mesure où le passager qui est à l'avant est pratiquement passif. Il lui suffira simplement d'obéir aux recommandations du pilote. Je connecterai après.
le dernier à partir, manque son décollage. Cela arrive. Il a pu repartir après avoir méticuleusement tout vérifié.